sont sortis de mes touches. Attends, t'as vu ton clavier, gros? Tu joues avec un Dell? C'est un clavier d'Alien, hein, vraiment. Frère, tu joues avec. C'est quoi? Ah non, c'est un Logitech. Non, c'est un cauchemar. Hein. Mec, ton clavier, on dirait un clavier de bureau d'orthodontiste. Ben, en fait. Ouais, je l'ai pris au service du clavier orthopédique. C'est un clavier spécial pour les pieds. Spécial pour les pieds, pardon. Clavier spécial. C'est pas mal, c'est avec un O à la fin, ce mot. On dirait un clavier de bureautique d'orthopédie, genre. En vrai, oui, hein. Je pense que c'est fait pour écrire des mails sur Internet Explorer. Tu sais, les claviers où il y a même du film dessus, tu sais, pour pas les abîmer. T'as un bouton déjà, lancé Internet Explorer. Déjà, c'est des claviers de merde et en plus, il les protège avec des films du film étirable. Tu sais, c'est le clavier à 10 balles, mais ils sont là en mode. Il est sous vide, genre il a une date de péremption. C'est trop ça. Mec, c'est trop ça, gros. Après, ça fait longtemps que je suis pas allé chez le médecin, du coup, ça a peut-être changé maintenant. le clavier, il sort, le médecin, il sort un clavier stérile, genre il le sort d'un papier. Essaye de me chercher, gros. Alors? Mais t'as 5 secondes. Genre, je me suis retourné, la game s'est lancée. Qu'est-ce que tu veux? Ah putain. T'as mangé Ken Ken? Non, pas encore. Tu manges quoi après? Je sais pas, j'ai pas trop faim. T'as pas trop faim? Je sais pas pourquoi. Mais, mais what the fuck, on quitte, gros! On fait un duel, on duel, ouais, je sais quoi cette partie, gros, on est 8 frères. Mec, j'ai plus de frères qu'il y a dans la partie. Hey, alors. J'ai une voiture. Tu crois vraiment qu'il y a des mecs qui vont la jouer à fond la game? Bah, tu sais. Genre, qu'on est top 1, tout le monde aura quitte. Chiap, mec. Vas-y, gros, on prend genre la première arme et on duel. Ça va, t'as trouvé une AR, non? Je suis à 1911. Ça va, j'ai une AK en vrai. Quitte le groupe qu'on puisse qu'on arrête de se voir. Comment je fais pour quitter le groupe? Je fais comment? Alt tap. Mais Vito, tu veux faire. Tu veux que je fasse ça pour que je reste. Ma blague est tombée à l'eau dès lors que j'ai commencé à dire le truc. Moi je pensais que c'était vrai, gros, je faisais confiance. En vrai, c'est peut-être possible. Attends, non, là, je pense pas. Essayer. Mec, essaye pas, c'est pas possible, gros. La seule arrière que je trouve, elle est buggée. J'ai un fusil à pompe. Tout ce que j'ai. Mais du coup, je sais pas où t'es. Pareil. Lancez les paris, les gars. Le 1911, on a tenté. Hein. On n'a rien vu, les gars. J'ai même pas entendu tirer. On va dire que c'est mon casque qui était mal réglé, gros. Toi, t'avais un casque? Non. Ok, c'est parce que je me disais. Je me prends deux secondes, je te voyais à tête nue. Et justement, il y a des casques dans le jeu qui sont trop bizarres, c'est des crânes. Et du coup, tu vois pas ouais, qu'ils sont des casques. J'ai trop dégueulasse d'ailleurs, mais. Ah ouais? Stratégiquement, bah, c'est pas mal. Oui. Parce que ouais, le mec peut penser que. On lance en NS, ça te dit? Comment je fais? Non, t'inquiète, je m'en occupe. Normalement, si je fais ça, ça devrait être reposé. Non, bah, dans settings. Ah oh, voilà, c'est bon. Ça va te faire changer de région. On va avoir 160 MS. Mais ça se ressent pas trop in-game. Ouais, t'inquiète. Tranquille. Je te fais confiance, gros. Hein. Je vais faire le suite école. Let's go. Et j'ai eu une notification du voyage SNCF. Ouais, matelot, TGV accélère vers l'Atlantique cet été. Super sympa. Encore ça. Plus vite avec le truc. Plus de confort. C'est maintenant pour réserver. Bon, ouais, le confort c'est important, mec. Voilà. C'était le placement de produit SNCF de la journée. Sachant on est tranquille. Même pas une OPSP en plus. On est tranquille. On l'a dit. Si seulement on nous payait pour dire ça, mais ce n'est pas vrai. Ce qui nous permettrait potentiellement d'avoir plus de casques en plus. En plus. On a bien besoin de casques. Ouais, parce qu'on était cool, on a dépensé tout le budget dans des chaises. Ouais, ce dont on a. D'ailleurs, pourquoi ils sont pas là les chaises? Pourquoi on n'a pas les chaises? Mec, j'ai tapé une barre parce que les gens pensent qu'on a acheté les chaises du coup. Ils sont en mode. Mais vous avez pas de micro et vous achetez les chaises? Ok, d'accord. Ouais, non, mais. Enfin. Ok. Non, les chaises, elles nous ont été envoyées gentiment. Oui, on va pas. Les gars, enfin, il y en a pour très cher de chaises là. On a autre chose à foutre que de lâcher autant de thunes là-dedans. Ouh, il y en a pour très cher. On a d'autres priorités, vous inquiétez pas, on n'est pas stupides. Je crois. Pour la plupart. Bon, par contre, le budget table est passé dans. Dans mes dégustations de burgers. C'est vrai. C'est vrai, bah tu t'es payé avec le steak de. Je sais plus comment il s'appelle là. J'ai pu prendre un double steak d'ailleurs grâce au don de Limskaya. Super sympa. C'est le premier joueur qui m'est venu en tête. D'ailleurs, c'est lui qui doit faire la table. Ouais. Ok, on est 170. Là, c'est la bonne. Bah, de toute façon, c'est. Mais gros, ça va, 148 MS. En vrai, c'est quoi notre balle? Elle part
0,001 en retard, c'est ça? Ouais, non mais enfin ça se ressemble même pas. Techniquement, sans MS, c'est 0,1 seconde. Si tu traduis littéralement, puisqu'on parle de millisecondes. Ah oui, c'est vrai. Mais bizarre, ça fonctionne pas exactement comme ça. Ouais, c'est plutôt étrange. En plus, c'est très variable. Il y a des moments où tu vas voir, tu vas monter à 2000 MS et tu auras les voitures s'envoler et tout. Ça arrive, mais ça dure pas longtemps, mais c'est assez drôle. Ça fait peur? Ouais, un peu. On va dans le magasin pour être safe? Ouais, on peut magasin. Le mago, gros, généralement, il y a une caisse. Il y a une Jeep, il y a une Jeep devant en plus. Bon, ça va sûrement être joué du coup. Mes yeux d'aigle, le long spot. Ah non, c'est pas une Jeep, c'est une tache au sol. Ouais, c'est une tache. Du coup, ça va pas être joué. Mais j'ai trouvé une voiture en face de la station essence qui est là, juste à côté. Je vais aller la jouer. Joue le magasin, moi j'allais pécho la voiture là-bas. Ces écrans sont dégueux. Rien que c'est mouché sur l'écran. C'est pas un sopalin, c'est un écran de jeu. Ah bah cool. Du coup là normalement j'ai ramassé l'air. Bah c'est bien, on a une voiture du coup, bah on gagne. Et what the fuck. Ah oui, ça lag un peu là. Bah gros. T'arrives pas à la ramasser? T'es déçu? Ah bah je vais en chercher une autre gros, dans le mago il doit y en avoir une dizaine. Dans le mago. Dans le mag quoi les gars. Par contre la station essence c'est pas folichon hein. Faudrait que j'apprenne à jouer les grenades aussi parce que ça c'est un truc que je néglige beaucoup. Ok, je peux pas looter avec le bouton E. En NA je crois que le bouton E est prohibé. Tu crois? Oui c'est raciste. C'est pas possible. Si. Cool, ça lag pas trop là en plus. Tu lags toi? Ouais, je lag. En vrai, je lag. C'est vrai que j'ai une petite latence aussi. Ah, je la ressens quand même. D'habitude, je la ressens pas, mais là, je la ressens. You have no space for that. Mais tu m'as mal vendu les serveurs. Hein. Bah, ouais, je sais. Mais normalement, ça lag pas tant que ça. Hein. Usually, it doesn't lag as much as that. Dans ces bâtiments là, y'a jamais de sac. Ils ont pas un rayon sac. Pourtant on se croit à D4 un peu là. Mec c'est limite... là on est proche d'IKEA là. Y'a pas un petit rayon Domios là? Avec des tatamis. Mec, est-ce que t'aimes bien l'odeur de Decathlon? Alors, moi ça va. Moi j'adore l'odeur des Decathlon. Dites-nous dans le chat, hein, je vais jamais répondre, hein, je vais jamais lire, mais dites-nous si vous aimez bien. J'aime moins l'odeur des dojos. Pourtant Les dojos c'est-à-dire? Les lieux d'entraînement d'arts martiaux. Ah oui oui. Parce qu'il y a un petit semblant pédiluve à l'intérieur. C'est poétique. Ouais, mais t'as l'impression, parfois, ça dépend des jours, ça dépend des séances, mais vraiment de visiter le pédiluve d'une piscine municipale, tu vois. Oui. Et ce qui est encore plus problématique, c'est que je fais beaucoup de judo, et au judo, il y a beaucoup de combats au sol. Et quand t'as tourné là-dedans. Voilà, et du coup bah ça te donne pas envie de tomber, tu vois, ça te donne envie de te battre, tu vois. C'est comme ça que Teddy Riner a commencé. Hein. Oui, Teddy Riner, bah, il a fait ça carrément dans la fosse sceptique. En fait, en gros, il était en plein Paname au marais. Et du coup, il voulait pas tomber. C'était un vrai marais en fait, hein, à l'époque. Le marécage. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Vas-y, bah, je suis pas full stuff du tout, mais. Bah, j'ai 210 balles plus 30, hein, j'ai 240 balles, j'ai compté. C'est pas vrai les gars, dans les dojos ça sent pas les pieds. Enfin ça va. Comment t'as fait pour faire la transition entre Decathlon et dojo? Parce que Domios égale marque de kimono, de tatami. C'est bon Jean-Ken? Bah écoute ouais, on peut se tirailler je pense. T'as quoi là? T'as un military? Voilà. J'ai pas de military non mon bro. Pas de military non plus hein. Mais c'est pas grave. Et de mon côté on est toujours team torse poil. Ah merde j'ai pas fait la team torse poil. Je te rejoindrai plus tard. Ah du coup j'ai tellement pas la touche E que je peux pas rentrer dans les voitures. Change là hein. C'est bon? Non. Ce délire. Parce que c'est vraiment un bug chelou. Hein. Something is in the way. Something is in the way. Ah ouais, c'est carrément un bug, genre ils veulent pas que tu rentres dedans. Écoute, j'ai changé la touche, j'ai mis caps lock. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait, mon On va peut-être pas rentrer dans la voiture. Au pire, je te suis à pied.
Je suis bon. Bah attends, je vais faire terreur. Tu viens de me rouler sur le pied, mec. Sérieux? Mec, tu m'as fait mal à l'orteil. J'ai pris un HP. Non. Si si. Débarre quoi. Il a dit débarre. Oh putain. Ce mec me roule sur le pied, il dit débarre. Oh putain, on est pas tout proche hein. Ouais mais... Est-ce que c'est pas le moment pour vraiment tisser des liens solides pendant notre amitié Valouz? C'est vrai. As-tu des questions que t'as toujours rêvé de me poser? Alors rêver non, mais je me suis... T'imagines tu rêves de questions? J'ai toujours rêvé de se poser cette question Valouz. Ça veut rien dire. Est-ce que tu m'apprécies en tant que tel? T'as déjà rêvé vraiment d'une question? Ouais, pour mes crushs quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, tu vois. Tes crushs? Quand j'étais jeune, tu sais, j'ai 22 ans, tu sais, je dis ça. C'est quoi les crushs? Bah, les meufs que tu kiffes, tu sais, que t'oses pas trop approcher, ce genre de choses, tu sais. Ah ouais? Ouais. Tu faisais des petits rêves. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah non, je te parle pas des rêves érotiques, hein. Non, moi je te parle, je me disais, putain, j'aimerais trop lui demander ça et tout, et puis à chaque fois j'étais en mode, tu sais, je faisais le rigolo, tu vois, mais en vrai, j'avais trop envie de lui poser d'autres questions, tu vois, est-ce que tu veux Ken salope, tu vois, pas du tout. C'est joli. T'as mec qui commence par ça, genre. T'imagines, t'as 8 ans, tu vas avoir une meuf et tu dis ça. Non, non. En plus, j'étais habillé exactement comme ça quand j'étais là-bas. Tu revenais d'Espagne. Putain, j'ai appuyé sur mauvaise touche, j'ai lâché ma caisse. Ouais, non, non, bah non, bah faut, oui, oui. Oui, du coup, t'avais des questions à te poser? Bah, mec, ouais. En fait, je pense que toutes les questions que je pouvais potentiellement genre te poser, j'ai eu les réponses en fait. Ah ouais? Bah on a fait pas mal de soirées, on a fait tout ça mec, on a parlé quand même. C'est vrai qu'on en a fait à deux hein. Crois pas mec, mais ça fait un moment qu'on se connaît hein. C'est... En vrai, tu rigoles mais... Regardez ça! Oh merde putain, je voulais faire un... Ça a l'air ouf ta game mec hein. Bah c'est ta faute gros, tu sais même pas monter dans une caisse gros. Désolé, j'ai... Vas-y attends, réessaye. Calme-toi par contre. Essaye. Something is in the way. Bah attends mais c'est pas possible, c'est quoi ce bug? Genre t'es banni de voiture quoi. Non pas de voiture, pas non plus de loot au sol en appuyant sur E. Je n'ai le droit qu'à 4 tabs. Monte sur le capot de la voiture. Ah c'est ta touche interaction qui marche pas en fait. Exactement. Oh c'est terrible, comment tu vas faire pour loot les corps? Je vais tab. Mais tab tu peux? Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça bug beaucoup quand tu tabs. Bah en fait c'est pas que ça bug, c'est que... Gros. Stay. T'as eu une info? Ouais, j'ai attiré, mais en fait, j'attirais pas trop. Merci Valouz, flash info en direct. Ah oui! Ça tirait vraiment? Oui, ça tirait. Il y a d'ailleurs un cadavre aussi. Et ça tire un peu plus loin, mais pas si loin que ça, genre je dirais 3-4 maisons devant. Peut-être un militariste enculé. C'était un bandit. Oh, On est passé de ça tire peut-être à cet enculé quand même. C'est pas fou. À vite hein! Oh mec, voiture en face, ok. Ils sont au bout de la rue, je vois au bout de la rue. Oui, je vois. Il est mort. T'imagines le mec qui fait une seule balle à cette distance. Bah Aro l'a fait en live je crois. Ah ouais? Ouais. Il est en live, un Morbi qui court à l'autre bout de la planète, il fait vous voulez voir un chat de ouf, il tire une et balle. Ça c'est ma voiture ça. Trop bien. Il est arrivé avec son pompe, il était pas d'accord. Attends, attends, j'ai. Mais pourquoi je l'ai pas touché? J'ai mis tellement de distances différentes. Il est dans la maison à droite, là, une maison en face de moi. À droite. Bon bah voilà, ouais, je vais retenter, hein, ça c'est ma trottoir caisse, gauche ça. Pour toi. Ça c'est ma voiture ça. Est-ce que dans celle-là t'arrives à grimper tiens? Je pense pas mec. Non. C'est archi dead mon bon. Putain. Ouais il est dans le jardin de l'autre côté. Il y a une autre voiture en face de moi. Oui, attends, je vois. Wesh. Quoi? Mais quoi? Mais je peux pas le toucher! Mais c'est quoi cette blague? Comment ça tu peux pas le toucher? Mais je leur fais pas de dégâts! Quoi? Je leur fais pas de dégâts gros! J'y vais, je m'en bats les couilles! Allo! Attends, c'est une boîte en fait. C'est quoi ce que t'as fait Ken? J'ai pas compris en fait. Eh! Putain mais tu es... Chier gros. Mec, il s'est soulevé là. 6 coups de pompe au corps à corps. Sur lui? C'est gros dégâts. Sur lui? C'est gros dégâts. Mais c'était quoi?
What the fuck? Comment ça avec la musique? Il y a une musique? Ça se fait plaisir à la régie, hein. Je vais tweeter des breaks, c'est pas possible. Attends, là, il y a vraiment. Non, mais. Dave, attends, quelqu'un peut, quelqu'un a autre chat ou pas? Quelqu'un m'envoie le chat s'il vous plaît sur, sur Twitter. Moi je me rends pas que compte parce que quelqu'un m'envoie le chat, je vous en supplie, quelqu'un a autre chat, c'est obligé. Kang il a pué, c'est mort. Tu fermes ta gueule, Steph Kairis. Mec, à partir du moment que tu tires 6 balles et que tu le touches pas une fois, il faut que tu te remettes en question, gros. Hein. Quelqu'un m'envoie le autre chat s'il vous plaît. Lance une game. Lance. Attends, faut que je relance le jeu, faut je vais relancer le jeu et délette mon perso. Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Tu crois? Oui, 100%. Moi j'ai envie de voir le autre chat là du coup. Hein. Moi j'ai grave envie de le voir, mec. Personne ne peut. Voilà, on l'a ici. Je vais tweeter Daybreak avec ce hot shot. Je vais faire Daybreak. I got pranked by Daybreak. Mais. Well done. Salut, pote. Wesh. Daybreak Games et je mets le hot shot. Attends, on l'a même pas vu, gros. Attends, je vais le mettre sur le live. Ah oui. Putain, j'en ai marre. Comment on fait ça, c'est que ça? Ok, merci, parce que là j'étais en train de me jouer devant une voiture en fait. Voilà. Les gens ils voient le tweet, Mondes. Et on va regarder ensemble ça dès maintenant. C'est noir? Ah oui, il a fait un screen. Mais je n'en fais pas de dégâts! Je vois pas les gens. Bouge pas. Vous allez voir les gens. Attends. Capture d'écran. Voilà, je m'en bats les steaks. On met ça comme ça. Hop, voilà, je vais laisser ça au-dessus. Regardez-moi ça. Mais je n'en fais pas de dégâts! Regarde. Oh merde, ça lag. J'en fais pas de dégâts, gros, j'y vais, je m'en bats les couilles. Ça lag encore un peu. Oh là ! Attends, c'est une boîte en fait. Ah ! Ah merde. Oh, mais il y a bien des gens qui sont en train de. What the fuck ? C'est quoi ce que t'as fait? Ah ouais, non, c'est terrible. Mais quelle bande de farceurs, Daybreak! Allez, retweet ce tweet instantanément, les gars. C'est des farceurs, hein. Allez, retweet ce tweet instantanément, les gars. Les farceurs. Je veux des retweets! Oh, les farceurs. Pas possible! Non, mais. Petite blague! Les farceurs, hein, ils sont. Et dans le chat BLS FTW qui lâche, y'a que lui capable de rater ça. Trop marrant. Ah, c'est des petits trous là, c'est des trous dans le chat. Mec, je suis full salé là. Truc de ouf. Bon, on attend Kenny qui se reco du coup, parce que voilà, son jeu est un petit peu pété. Votre appel voilà. Direct. Mais j'avoue que Daybreak là sur le coup, voilà quoi. Enfin, ils ont vu que t'étais en live, ils ont vu faire une petite blague. Je sais pas si. Je me suis fait kick malgré que ce soit Chap GG. J'ai tenté de balancer le lien du tweet pour qu'ils aillent voir le tweet. Je me suis fait. Non, je veux une meuf. Vas-y, fais une meuf, ouais. Fais la Kenza Farah. J'ai tenté de l'appeler sombre. Pourquoi tu voulais l'appeler sombre? Parce qu'elle est noire. Ah, c'était facile. Ah, allez, c'est parti. Vivace. Vivace. Viva Street. Versatile. Putain. Genre, y'a vraiment un gars qui s'appelle Versatile, quoi. Femelle. Oui. Le pseudo. Prank Daybreak. Mais ça, prank Daybreak. Ah oui. C'est prank. Got pranked Daybreak. Mais non, mais c'est... Ah oui, j'ai mis Daybreak, donc n'aime rejeter. Ah, got pranked LOL. Non, c'est pas possible. Mais ton jeu est bugué, gros. Ah bah c'est bon, je t'appelle got pranked. Ah, c'est drôle, franchement c'est drôle. On rigole. Hein. On a essayé. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Viva Street, ce connard. Pourquoi? Viva Street. Ok, tu vois. Ah, il est drôle. C'était, il est bon, Valouz. Il en rate pas une, hein, Valouz. Vas-y, go. Let's go. Hop. En espérant que tout, cette fois-ci tout fonctionne pour le mieux. Team torse poil, ça prend de bonheur.
En vrai, on a quand même réussi à faire la game, on a trouvé une team. Daybreak, zéro rigolade. Non, tu peux pas. Voilà. Et dire que t'as marché tout ça pour ça, quoi. Après, comme tu nous l'as dit, hein, ça nous a permis de mieux se connaître. Bah, y a une certaine dimension d'amitié en fait. C'est une sorte, c'est vraiment un moment qu'on a passé ensemble à Valouz. C'était quelque chose d'assez fort. Assez atypique. Écoute Daybreak, j'ai décidé de te donner une seconde chance. Et je remets mes touches normalement. C'est parti. C'est parti. T'as 30 secondes mon ami. Hein? T'as dit quoi? C'est pas normal. Bah si t'as fait un screen région du coup, ça prend peut-être le dessus. Ah ok, non c'est juste le projo qui a bugué. Je le relance. C'est bon non? Putain de sa mère, j'arrive pas à sauter sur un truc moi. Chotis. Olé. Non quoi, non quoi. C'est bon ou pas Monès? Bon allez Ken là c'est la quête de Kenz hein Ouais bon bah du coup Ternuer c'était assez ouf. On va où? On joue l'iPhone non? L'iPhone. Ok. Ah. Oh ouais l'iPhone. Le haut de l'iPhone ou le i hein, comme tu veux. Hein. Je veux jouer le i mec. Je t'avoue que le i m'a guiche. I pompe à essence. Ouais. Ouais on va jouer de ce côté là. T'inquiète hein, l'agressivité ça fait partie aussi de mes caractéristiques approfondies. Exact. C'est toi qui t'es posé à côté de moi la pompe à essence? Ou je dois faire attention derrière moi? Dégueule. Ou alors il a une mâchoire solide hein mais C'est bizarre. Go sur les serveurs U gros. Ça nous réussit pas trop ici hein. Fais gaffe y'a un mec dedans gros. Merde! Go serveur U, hein, tant pis, même si on joue à 100, au moins on va jouer quoi. Oui, parce que là je. Bah là c'est bizarre. Don't understand même? J'ai pas compris non plus. Je me suis fait tout à peau flingue. J'avais une AR. J'ai même pas pu tirer. Putain. Bon bah je me suis fait prank encore. Vas-y, go serveur. Quelle bande de farceurs quand même! C'est une bande de farceurs. Hop. Parce que normalement quand tu lags en fait, tu peux pas tirer, tu vois. Genre ça te bloque ton arme, littéralement, tu ne peux pas tirer. C'est pas genre, on te fait croire que tu peux tirer. T'es peut-être entre les deux. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça. Tu lags mais pas assez. Peut-être, c'est possible. Vas-y tu peux lancer mon ami, hein, on verra. On verra mais c'est plutôt perturbant. C'est hallucinant oui. Ça particulièrement hallucinant. On a quand même fait une game entière presque où tu pouvais pas. Je savais pas en fait. Ouais, bah ouais. Donc moi on avait. T'imagines que si on était en face à face top top one. Ouais, je suis genre tu sais, genre j'ai jamais. Genre t'as un sniper et tu mets une tête, tu fais what? Oui, c'est ça. Et puis genre je joue le dernier 1v1 et en fait je me rends compte que je peux pas le tuer. Après, hein. T'imagines si t'avais été invulnérable? Bah en fait, à la base, c'est ce que je croyais parce qu'il y a des bugs, il y avait des bugs comme ça avant en fait. Ça donc, en gros, tu rentres dans une voiture et en fait personne te voit. Vraiment personne. Et tu peux plus recharger tes armes en fait. C'est juste si tu finissais ton chargeur ou un truc comme ça et que tu rechargeais, à ce moment là ben ça t'enlevait le bug. Et justement on avait eu le bug en BR5 et je l'avais exploité en fait. Du coup j'étais resté dans la voiture où tout le monde, ils avaient tué toute notre team. Et ils comprenaient pas pourquoi ils arrivaient pas à prendre la 5ème place, tu vois, les mecs qui nous ont tués. Du coup j'étais resté dans la voiture et à un moment ils te voyaient pas, t'étais transparent? Ils me voyaient pas. Et puis d'un coup en fait, en gros, ce qui est passé c'est que j'étais encore dans la voiture mais ils le savaient pas. En gros moi je marchais à côté. C'était un bug en fait. Et du coup, au moment où je me suis retépé dans la voiture, c'est que le bug s'était arrêté et je me suis retrouvé à un endroit où la voiture était arrêtée, tout le monde était en train de loot, en train de regarder par terre, je suis sorti, j'en ai enculé deux. Genre j'ai tiré partout, j'étais là. En stream? Oui, j'étais en stream gros. Trop marrant. C'était la première de Zankyo à son retour. C'était ça. Et du coup, c'était trop marrant. Gros, pourquoi j'ai un trait en tout mon point là? Un trait. Je sais pas. Jamais compris ce que c'était ça. Bah, normalement, c'est quand tu peux pas tirer, tu sais qu'un obstacle. Ça veut dire qu'en gros, y a un obstacle devant toi, du coup les balles vont s'arrêter dans l'obstacle et ils vont pas aller plus loin, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Genre si t'es derrière un muret ou derrière une voiture. Ok.
Ça marche pas très bien, mais. Là, c'est buggé pour le coup. Mais... Et why not? Je crois que je vais aller au trampoline. 172, tu vois? Non, mais là, ça va, c'est bon, c'est revenu. Mais après, bon, le temps est passé aussi, mec. Hein. C'est après globalement 13h que ça commence à y avoir beaucoup de joueurs. Qu'il commence à y avoir beaucoup de joueurs. Vas-y, on va la gagner celle-là. Pas de répéter ça. Ouais, on va la gagner. Allez, c'est parti, Valouz, on joue bien. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis, on va s'amuser. Car je sais que tu peux y arriver. Oh! Merci, ça. La cartouche. On va où? Station essence? Ouais, vas-y. Hein. Genre, on fait station essence, on s'approche petit à petit de la ville et. Parce que dans le marché, généralement, c'est plutôt généreux. Oui, le marché, c'est bien. Après, je crois qu'il y a une team qui y va, non? Bah, s'il y a une team, faut essayer de tomber. Moi, je tombe dans le marché là. Ouais, moi, je tombe dans le marché aussi. Ah, je vais essayer de tomber ici et ramasser une arme direct. Y'a personne qui a drop. Non, y'a personne, non, y'a personne. On est plutôt. Je peux loot, c'est bon, c'est un bon signe si je peux loot. Ok, y'a un mec qui arrive, y'a un mec qui arrive, y'a un mec qui arrive. Il est derrière. Ah non, il est passé. Il est passé en fait, y'a lui, y'a drop juste pour la caisse et c'est pareil. Oh, c'est toi? Tire une balle dans le loot si elle retombe dans sa tête. Imagine. Imagine le shot, mec. Techniquement, ça se peut puisqu'il y a pas de casque si elle jouait la caisse. Mais écoute, par contre, niveau casque, j'ai masse. Hein. T'as des casques? Ouais. Ok mec. Par contre moi il me faudrait genre vraiment une arme. Parce que le piton c'est l'arme que je maîtrise le moins. Bah c'est la seule AR qu'il y avait, c'est celle que j'aime. Vas-y bah on va aller dans la ville. Get. Je suis passé deux fois devant un militaire. Bon je fais demi-tour. Hein. C'est mon daltonisme qui a dû me jouer des tours. Oh merde, je savais pas si c'était un joueur en fait. Quel con suis-je? Ah c'est toi qui s'est fait tirer dessus? Je suis pas là gros. Hein. J'ai trouvé le military les gars. Il était quand même bien caché. Hein. Tu regardes mon ombre, on dirait que je suis Lucky Lugo. J'ai plus de vie moi. Ah je suis mort. Putain il m'a rejeté. Oh je m'en trouve bientôt. T'as vu ça? Non, Valouz était pas sur ta pop, je crois. Ah, c'était pas ma pop! Oh non, mec, j'ai mis un one tap d'au moins 100 mètres, gros! Je me suis retrouvé comme un con, moi. Je me suis retrouvé comme un con, je pensais que t'étais pas loin, mais je suis fait. Bien joué, Valouz. Non, mais l'autre, il était mais magnifique! Moi, je me suis perdu entre les deux joueurs, je me suis dit, attends, mais qui c'est que je suis censé viser en premier? Ils avaient pas de casse tous les deux en train de me rusher, je savais pas. Je fais quoi, je quitte ou je vais jouer dans la ville? Bah non, on joue là, mec, hein, tranquille. Hein. T'es sûr, hein, parce que j'ai l'impression que je joue pas avec toi depuis tout à l'heure, gros. Ouais, j'avoue, c'est chiant. Bon, vas-y, si tu veux quitter, on en relance une ensemble. Vas-y, je suis un bon pote. Je suis désolé. En fait, depuis tout à l'heure, à chaque fois, on a des bugs et là, j'ai mal joué. Putain, je suis déçu qu'il a pas vu mon kill parce que, gros, j'étais encore au marché, enfin, sur la petite montagne et je vois une. Un petit tache noir, j'ai tiré dessus dans le doute. Le mec est tombé. Bien joué. Le mec est tombé quoi. C'est propre, mec, c'est propre. Ça passe. Ouais, les gars, j'ai quitté parce que j'ai envie de jouer avec mon ami Ken. Hein. À la base, je suis là pour ça quoi. Des games en solo, je peux en faire en stream perso. Ouais, let's go. Déconne quoi? Des games quoi, pardon? Des games solo, je peux en faire en stream perso ou oui, je peux oui. En faire en solo quoi. Je suis pas là pour ça. Même de toute façon, l'émission La Quête de Ken s'est transformée en canap de Ken, quoi. Il y a tout le monde qui vient. Mais c'est trop bien, mec. C'est trop convivial. On a envie de jouer avec toi, on a envie de s'amuser. À la base, c'était juste une émission. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter de prendre un jeu et puis on va essayer de devenir bon dessus parce que j'étais pas forcément bon sur la chance d'un. Je suis pas toujours très bon, mais je progresse. Et en fait, bah, tout le monde m'a dit, ouais, j'ai envie de jouer avec toi. Donc, Chap, il est censé venir le mercredi. Aujourd'hui, il est fatigué, mais du coup, c'est Valouz qui m'a rejoint. Broki, mardi et jeudi, archi chaud, trop bien. Non, mais c'est cool. Bah, tu sais, c'est sur les anciennes horaires de l'éclipse à Tchal et je trouvais aussi que c'était bien convivial et tout, du coup. Ouais, c'est l'horaire. Voilà. C'est l'horaire qu'on aime bien. 30 seconds. Y'en a, ils font du parcours gros sur le jeu. Oui,
Alors. J'ai pas réussi à sauter, putain. Mais arrête. Qu'est-il ? T'arrives à parler, gros ? Ouais. Putain, j'entends personne, je suis tag. 1, 2, 1, 2. Ça bug ? Ouais. Ça bug. T'as le PC du. Height. Bon, la quête de Kenz. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ça, moi, je sais pas comment faire, moi. Un corset. Alors, Let's go, le 8. Le 8. Vas-y, le 8. Vas-y, 8 droit. On joue bien, on joue bien. Bah, c'est. Y'a le 8 et le 5. T'en as un ou t'en as 5, t'en as un ou t'en as 8. Donc, Bye bye, je suis con. Je vois pas particulièrement. Ah, si, j'ai une voiture Jeep verte derrière les hangars de l'autre côté de la rue, tu sais. Il a l'air d'avoir du monde à côté de moi. J'entends des bruits de parachute. Je sais pas, j'ai ramassé des trucs. Je prends une grenade, je l'ai dans la main. Je lance une grenade là-dedans. Ça va péter. Il y avait personne. Si je meurs, franchement, j'ai le seum. Quoi ? Je sais pas. Ok. Mais c'est vrai qu'on a. J'ai jamais plaisir de mourir. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On le dit c'est pas mes assez. Chaussures, ça. Hop. Là, je rentre dans les hangars comme si c'était rien. Il y a un mec qui peut m'attendre aux pompes à tout moment, tu sais. Bah, c'est l'air d'avoir personne au 8 en fait. T'as vu le nombre de joueurs ? Oh merde, putain. C'est un cauchemar. Hein. On joue la voiture ? Ouais, vas-y, vas-y. Hein. Et t'es. C'est ça là-bas ? Non. Si, je vais jouer avec double air en fait. Ok, j'ai vu des mecs. J'ai vu des mecs dans les hangars en face là, tu vois quoi ? T'as un point cardinal ou pas ? West. Les fameux hangars, tu vois. Famoso. Je monte sur les rails pour essayer d'avoir un avantage au niveau de la hauteur. Ils sont dans les hangars. Oui, je vois, j'ai info. T'as l'info sur lequel, toi ? J'ai info sur un mec nord-ouest, hangar jaune là-bas, le grand ? Ouais. Ok. Je m'avance. C'est toi au-dessus loin, ouais. Ouais, c'est moi au-dessus. Ok. Il sort. J'ai mis 2 balles. Moi aussi, je l'ai touché une fois, moi. Il est derrière. Il y a les derrière le hangar. Ok, j'ai gris. Info sur un gars. Il est où ? Oh, il m'a casse, putain. C'est une blague. Quoi ? Oh, il m'a eu en dessous, putain, mais mec, c'est infâme ce que je produis là. Oh, il m'a mis un casque tranquillement, quoi. Je suis pas bon. Je me place trop mal, je savais même. Mais dans le hangar jaune ? Je le sais maintenant, faut pas s'allonger derrière ces voitures. Ouais, il est dedans. Passe ta tête, enculé. Il est à droite, yes, à gauche. Allez. Putain, mais il veut pas crever, hein. Il y en a un autre là-bas. J'ai pas de grenade, putain. Il est en train de saigner, il est contre le mur en train de se heal. Je le vois. Pète le baril au pire. Ah, tu le vois pas ? Ah, tu le vois pas. Attends, je peux peut-être le voir. Non, je le vois pas. Il saigne aussi, mon bro. Je te dis s'il sort, je le vois de toute façon. Et à son collègue aussi. Il va décaler, il est en train de recharger. Là, c'est un duel. Il est en train de te dire de dégager. Sérieux ? Oui, en mode stop man, go away. Ah, il connaît mon level. Hein, il a dit you want to fight ? Ok. Ah, il y a son collègue là-bas. Mec, baisse là, juste pour le petit tout. Voilà, ça c'est fait. Mais genre lui il a pas mangé ses balles. Ouais, il est contre le hangar là. Viens, je me soigne pas gros. Viens. Bien joué, 9 points de vie. Et attends, 9 HP, il se rend pas compte. Genre il se rend pas compte. Gros, 9 HP, t'as large le temps. Si tu saignes à 3. C'est à 3 HP que c'est dur. Ou 4. Mec, il était en train de courir, hein. Ouais, 9 HP, mec, j'ai la pression. Ouais. Enfin, ah oui, mec, t'es barre. Hein. Ah je sais pas, là ça tombe là pas là non plus à une vitesse hallucinante. Mais bon, imagine, là, il a appuyé sur Headkit à la place de fil bandage, tu vois, genre. Ça le met pas bien de ouf. Et tu sais, il est en mode. Oh putain, je suis à la moitié du Headkit, je oui, fais quoi ça. Est-ce que je fais le bandage? Est-ce que j'aurai le temps? Dans ce genre de moment, c'est terrible. Bon, maintenant, ça va, je fais plus rare, je fais le bandage toujours avant de mettre un Headkit. Oui. Mais... D'ailleurs, il y a un réflexe que j'ai vu que tous les streamers ont, enfin, ceux que je regarde en tout cas, et que moi je ne fais pas. C'est très pratique, c'est de se mettre un hitkit pendant que tu lootes. Quand tu finis un fight, tu te mets un hitkit. Ouais, comme ça loot. Au moins si quelqu'un t'engage. Oui, et puis dans tous les cas, tu perds pas de temps. Pendant que tu lootes, tu te mets un hitkit. C'est pas
Genre tu lootes, puis tu te mets un hitkit, puis tu pars. Ah, tu peux mettre un hitkit pendant que tu lootes. Non, tu le mets. Mais ton... du coup, c'est dans ton inventaire, comme ça. Hein? C'est genre faut ouvrir son inventaire. Non, tu t'accroupis. Tu fais ta touche. Tu fais A, puis tu fais E pour loot en fait. Et si tu fais si tu fais F, ça annule pas, ça cancel pas? Si tu fais quoi? Bah si tu fais une interaction du coup avec le sac. Mais non, mais pour loot. À partir du moment où tu ouvres le sac, ça sent Osef. Ou c'est peut-être tu fais tab, j'en sais rien. Je pense que peut-être tab, non? Peut-être tab, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que je les vois loot comme ça. Et à chaque fois, je me dis putain, c'est pas con parce que en vrai, si tu te heal, enfin si tu utilises le temps de. Ah oui, bah c'est un gain de temps de ouf. Hein. Oui, tu gagnes genre 3 secondes et c'est quand même ouf, tu vois. Et puis même, il y a aussi l'astuce, avant normalement de démarrer un combat face à face, tu mets un bandage ou un kit de soins et en fait en gros, ben, s'il prend t'as l'avantage, un peu plus d'HP, ouais. Voilà, s'il prend l'avantage en fait, en gros, ben toi t'as le coup en plus quoi, t'as le backup, t'as le soin. Ouais. Putain, il a bloqué. Il a bloqué la voiture. Ah, je vais pas pouvoir le conduire, je pense. Mon quad, mais je pense que 170 là on voilà, fait pas le con. Ça c'est une bonne game. Non, on fait pas les cons, on fait pas les cons. Putain, aujourd'hui on a pas fait des bonnes games. On a mis du temps à arriver en live à cause des problèmes techniques au début. Ensuite, c'était c'est mitigé aujourd'hui comme bilan. J'arrive au quad, je peux même pas monter dessus. Non, mais t'inquiète, là ça va revenir. J'en doute pas. On le sait tous que t'as du level, Kenny. Oui, quand on veut. T'as fait des games de solo? Sur quoi? Sur en nu? Ouais. Ouais, j'ai fait mes games de solo. Tu t'as tryhard ou t'as joué en mode Nokia? Non, je farm surtout. Je tryhard en fait quand je suis en solo en stream, je semi-tryhard. Il y a un quand la mort. Ouais. Je semi-tryhard quand je suis en stream, parce que bah tu peux pas forcément full tryhard quand t'es en stream. Mais globalement, pour être honnête, oui, je joue, tu vois, genre j'essaie de jouer. Et du coup, là j'ai deux top 1 à 5 kills plus, j'en ai un à 7, je crois, et un à 6. Ça va. Et après le reste c'est du top 2 parce que je fais je farm les skulls en fait. Et du coup je lance des games, je me stuff pas. Et attends parce qu'il y a des... un mec juste à côté de moi. Non l'enculé. Je suis mort gros, je suis mort, 100% je suis mort. 100% je suis décédé. Je peux peut-être sauver la vie. Attends, il a plus de vie, non. T'as pas eu. Viens. Non. Non, putain, je suis mort, en plus j'ai 4 balles, c'est mort. Bah, va le jouer. Tu l'as soulevé, non là? Ouais, mais tu je l'ai déchiré, gros. Des dégâts. Bon, j'ai essayé de sauter tout. En fait, en gros, j'ai pop dans la tente et c'était le premier à prendre la. Oh, t'es mort. Ah non, je pensais qu'ils étaient deux. Bien joué, ça. J'ai 5 balles. Gros, jugé? Ouais. Attends, par contre, j'ai 5 balles, gros. C'est fort le jugé? Ouais, ça va, je trouve ça assez fort, moi. Parce que, tu vois, moi, j'aurais pas fait au jugé là, tu vois. Bah, vu que je le rushais en même temps. Oh là là. J'y ai droit à ça aussi. Bah voilà, c'est ça le festival. T'as un dommage que je suis mort. Hein. Ouais, parce que là, je suis en train là, c'est vraiment zone. Dommage. Je viens de le finir mes balles par contre. T'inquiète, il t'en a ramené. Bon, pas de casse. Il y a un mec à la... Allez, gros, t'es le prince de la zone. J'entends quelqu'un. Souvent ils tournent autour de trucs de merde là, c'est ils sont derrière. Et ils sont où? Là Bah déjà il y a la caisse de flic donc techniquement Ouais il est revenu quoi. T'as vu ou pas? Tu vas te manger une tête perdue ou... Ouais je pense. C'est vrai. Steve. Mais... Ah, il y a plus d'ultrason. Ah si. Ah mais il est là. Il est là, je l'ai vu. Ah regarde, t'as vu le petit gaz à côté de la voiture? Il veut quelqu'un rentre dans la voiture. Pas de... Ah, il veut faire péter la caisse. Ouais, exact. Pas de magnum derrière. Mais contourne-le. Sortir d'ici. Attends, y'a pas de magnum ici parce que s'il y a un magnum. Oh, je vais mourir, je pense ça dans tous les cas. Non. Si, mec. J'ai confiance en toi, gros. T'es déjà 4 kills. T'es le prince de la zone là. Ça, c'est ta zone ici. Hein.
Elle est où le mec? Bon bah là il va falloir y aller dedans. Il est où? Mais il est en train de me faire tourner ce connard. Mais... Ah, j'ai pas ton son du coup. Il saoule à jouer. Il a joué pussy. Tout ça, mais tout ça pour me tuer au final, tu vois. Genre... Tout ça pour un kill, ouais. Bon, il travaille ses kills quoi. Oh ben. T'inquiète, ne stresse pas Ken. Fais gaffe, il veut. Non, c'est bon. J'avais la caisse, j'avais oublié la caisse. Il a réussi à t'avoir. Malgré tout, alors que je l'avais vu. Hein. GG, putain, le mec il t'a défoncé. Oui, bah oui, au final. Le oui. pire, c'est que tu l'as su. Mais oui, je l'ai su, je fais regarde, il y a le truc ici. Je me suis dit, il n'y a pas l'angle. Si, bah si. En gros, il avait déjà tiré 3 balles dedans. Et les balles derrière qu'il avait. En fait, il a tiré 3 balles dans le truc, il manquait plus qu'une balle. Mais là, en gros, le fuel plus la caisse, en fait, ça te doublait dégâts en fait. Oh. En gros, c'est comme si tu lançais 3 grenades sur quelqu'un. Il t'a déboîté. Oui, de ouf, mais je fais défoncer. Franchement, il t'a déboîté. Dommage, parce que c'est un kill piège. J'aime bien les kills comme ça. J'en avais fait un une fois en stream. Genre, j'avais setup le truc, j'ai vu qu'avec un mec qui arrivait, tu vois, qui lootait. J'ai fait mine de fermer toutes les portes, j'ai posé un biofuel à côté, puis j'ai attendu, il est arrivé, j'ai tiré sur la caisse. La dernière fois, j'avais vu une compile, je crois que je t'en avais parlé en fait. J'avais vu une compile où le mec il se met à l'arrière d'une voiture, mais il la gare sur des spawns, tu vois. Ou devant des maisons, ou en pleine, tu vois. Et le mec qui est pressé, il rentre dedans. Du coup, tu l'attends avec ton pompe. Soit t'es en solo et du coup, il peut pas rentrer dedans. Ah, mais il galère, il se dit, c'est quoi ce bug? Et alors, pom, tu lui mets une petite balle de pompe. Ou soit tu joues à plusieurs et du coup, il rentre dedans. Tu le laisses rouler, t'es là avec ton pompe, tu le tues quand tu veux, tu vois. C'est ouf. Et il y en a beaucoup qui le voient pas. Hein. Parce que t'as pas l'habitude, enfin, t'as pas pour réflexe de regarder derrière. Oui, c'est même ça, si puis... de temps en temps, ça se voit quand même. Hein, et puis, si les mecs montent. Et puis, même, genre, tu tires à l'air. Le mec va dire, c'est toi qui tires, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Forcément. Hey, donc tu spams et tu vois les deux têtes en face et là, tu les défonces, tu vois. C'est trop marrant. Paul-Henri Bellechat, bon pseudo en tout cas. Mais tu vois, genre là où t'es mort au début dans la zone juste avant, ouais. C'est unlucky, tu vois, genre de ouf, t'avais pas d'armes. Ah, mais moi, en fait, en gros, généralement, dans le camp de la mort, je joue la tente parce que personne la joue. Les gens jouent le hangar et là, il s'avérait qu'il y avait un mec qui était dans la tente et qui a chopé la seule arme qui était une AR juste devant mon pif. Du coup quand ça se passe tu sais généralement que tu meurs. Mais il a galéré à me tuer quand même, hein. Toi t'as failli me sauver et ça aurait été ouf, hein, que tu sauves la game gros. J'ai raté une balle et c'est la dernière qui lui manquait en fait. Ah là là, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que... Mais c'est pas grave, hein. Je sais que tu vas produire d'autres exploits. Mais bien sûr. Tu me suis bien sûr genre en mode... Oh bien sûr. On verra. Bon. Ah, faut pas être prétentieux. Fermez l'arme, tous vous l'avez. 175 gros, hein. Là on est sur une bonne partie encore. Ouais, c'est parti. Balouz, c'est notre dernière. C'est notre dernière, on joue tous les kills. All the kills. Oh. Allez Ken. Allez. Allez. On a le I si tu veux. Le I. Go I, station essence. Vas-y, y'a une voiture de police en plus. Oh là là, ça va être. C'est une crème. Ça va être bien joué. Petite crème glacée là. À la vanille. Je vais plus aller vers le rouge. J'adore la vanille. Y'a personne gros devant toi. Tu vas l'avoir, hein. Là t'es dessus, hein. Y'a personne. Oh. On dirait des mouettes, tu sais. Oh, y'a blindé de gens. Non, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Putain, il a une AK, je suis foutu. Non, viens, on se barre, on va au. Tant pis, on va à l'église en face là. Gram. Vas-y. Je l'ai esquivé de peur. Voilà, ça c'est du carjacking gros. Vas-y, on va dans l'église là, non? Je pense choper au moins du stuff, tu vois. Y'a R pour l'instant. Ouais, casque R, ici. Gros. Non, mais c'est une blague. Casque là-bas. Non, casque chacun. Y'a R là-dedans? Putain, y'a que des casques en fait. Vas-y, bah on se barre. Hein. iPhone? Vas-y, c'est où iPhone par rapport à là? Tout droit. Oh, c'est chiant, putain. Parce que ouais, là, c'est dommage parce qu'on aurait pu jouer le I, mais. Le truc, c'est que les gens ont tous spawn pour la caisse de flic. Au moins, t'as gagné le duel de la. Enfin, le duel.
C'est un duel bien remporté, ça. Le petit jeu de qui aura la caisse de flic, quoi. Tant pis, my bro. Je prenne les clés quand même. Oui, j'avoue. Toujours pas prise. Ce serait con de se la faire piquer après tout ça, quoi. Ça m'est arrivé en solo. Ah ouais? Oui, je rentre dans un bâtiment, j'étais trop serein, et puis là, je me dis, est-ce que j'ai pris les clés? J'attends. Je devais avoir le seul. Grosse déception. Bon, y a R aussi là, putain, c'est pas possible. Y'a pas une seule arme. Les débuts de partie comme ça, je déteste. Non, je trouvais des trucs, ça. Qu'est-ce que je viens de ramasser là? Le pire de ça, c'est qu'il y a vraiment personne en plus. Ici? Là, enfin là, je vois rien, quoi. Y a aucun signe de gens. Je pense qu'il y a quand même des gens, mais on a encore plus de 100 en gros. Ça va tirer d'un coup, on va rien comprendre. Ouf, ça c'est bien ça. Kevlar ? Oui. Vas-y, bon, ce stuff, on va direct chercher. Oh là là, Kevlar aussi, là, ça régale. J'en avais un pour toi, du coup, je voulais arriver à te faire une surprise, mais. Mais ouais, ah mec, ça c'est la dernière partie, le karma gros. C'est le karma, on a mérité je pense. Hein. C'est vrai qu'on l'a mérité. Hein. On est vraiment récompensé pour notre labeur. Merci Daybreak. Merci. Merci, c'est bien de penser à nous. Oh, j'ai pas de military. Oh, j'en enchaîne un. T'inquiète. Normal, j'en ai un là, t'inquiète. C'est assez facile à trouver en vrai donc. C'est toi la voiture? Non. C'est un avion. Ah, si tu veux, on peut jouer le drop, mec. Hein. On va jouer le drop. Bon. On va jouer là, le drop. Là. Attends, mais c'est où? J'arrive pas à savoir. Ah, ok, c'est sud-est vers le soleil. J'ai vu un mec dans la fenêtre de la maison à étage là-bas, tout droit nord-nord-ouest. Je l'ai vu passer dans la fenêtre. Il est là. Non, c'est pas un gosse. Hein. Franchement, j'ai pas halluciné. Hein. Oui, il est au rez-de-chaussée. Un rez-de-chaussée validé. Ah oui. Il est en haut, il descend les escaliers. Oui. Non, il est encore en haut. Il attend. C'est tué. Et son pote peut-être à côté. Voiture. Ok, il vient de descendre le mec là. Oh, il m'a enlevé mon casque. Je vois pas bon. Mais putain, je suis une tanche. Il m'a encore tout tap. Il m'a one tap mon casque. J'y vais et il me. Wesh. Et toi, il te tue pas. C'est indécent. Moi, il m'a mis deux fois. Il m'a mis trois taps au total dans la tête quoi. Donc c'est insane. Je suis un peu déçu là encore. Mais je suis archi déçu, mec. Putain, mais je sais pas ce que j'ai. Oh là là, je lis trop mal le jeu. C'est un truc de ouf. J'avais deux caves bah, et tout. Là en plus, le pire c'est que toi t'étais même pas. Mais ouais, je lis trop mal le jeu, mec. C'est un truc de ouf. Je sais pas ce que j'ai. Parce que t'étais pas cover en fait. T'as pris la confiance avec aujourd'hui, les caves. Aujourd'hui, non mais même confiance avec les caves. Regarde, toi aussi t'étais au milieu de la route en train de le rusher, tu vois. C'est juste, il m'a 3 tapes. Il t'a pas 3 tapes. Je sais pas pourquoi il est paniqué parce qu'il s'est retrouvé en sang, tu vois. Après, ouais, je l'avais touché 3 fois et après, bah, il était en sang. Il fait en mode faut que je me heal, machin et tout. C'est question de situation, tu vois. Mais même, cherche pas des excuses. J'ai été mauvais, mais quand même, tu vois. J'ai quand même pris 3 tapes. T'étais plus mauvais que lui, ouais. Je suis assez salé parce que ça me rend ouf. J'arrive trop pas à jouer. Putain, je suis désolé, les frérots. C'est pas grave, mon Ken. J'aime pas ça. Bah, je vais essayer de. Vas-y. Hein. De rush, hein. Et le pire c'est que t'as un bon shoot en plus, hein. Je regardais ton écran tout à l'heure. Généralement ça là, je crois que c'est plus tes placements. Et puis même ça me saoule parce que je retrouve pas ma souris, elle a des pop donc je peux pas jouer avec. Donc je joue pas avec ma souris et ça m'énerve. Je le dis pas parce que ça fait vraiment, vraiment excuse pété, mais je trouve que c'est important et je l'ai pas. T'es où mon bro? I am souled. Wesh. Ok, c'est caché. Ça tire là-bas.
Ça va, Valouz? Ça va. Il est parti où? Ah, il est dans la maison 100%, il m'attend en fusil à pompe. Oh putain, ça a pas chargé tout à l'heure. What the fuck? Déçu. GG. Putain, c'est ouf. Pourtant, j'ai l'impression que ça avait été, ça avait rechargé, hein, mais. Je vais prendre des balles et puis on se barre. Balouz qui fait sa petite game, 4 kills pour l'instant, c'est bien, ouais. Il est où celui qui me tire dessus? Attends. Ah oui, c'est chez toi que ça tire. Je sais pas, il est où du coup, hein. Ok, joué. Putain, le bâtard, il m'a retiré mon. Mais t'as 3 Kev, mec, hein, c'est insane. Hein. J'avoue. Je vais aller chercher aux pompes ou quoi? Si, mec, hein. Bah attends, mais il a transpercé mon Kev et en plus de ça, oh là là, j'ai mis une balle de pompe. C'est bon, décevant, bah c'est la fin, c'est la fin, les amis. On a ouais. Terminé sur ça. Je suis déçu. Hein. J'ai tellement chié lui. Il était accroupi, j'ai pas réussi à l'avoir. Il était caché derrière un arbre, il bougeait pas, il était statique. Oh, oh là là. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct, j'ai ouais, envie de dire. C'est les aléas du games. Et bah moi, je lance une petite game solo en attendant. Malheureusement, il va falloir laisser passer, laisser place à l'émission suivante. Donc, on espère que ça vous a plu malgré tout. Vous retrouverez la quête de Kenz, bien évidemment, tous les jours, hein, du lundi au vendredi pour du H1. En bien évidemment. Et voilà, donc passez une bonne journée avec le reste des émissions, les amis. Salut! Ciao, les petits potes! Hein. Au revoir! Tchuss!